Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry 6. Oh là là, regardez comment ce jeu est magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Je suis un petit peu malade dans la vraie vie, un petit peu enrhumé. Mais rien de bien grave les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode qui était juste incroyable. Le dernier épisode était juste incroyable. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la séquence avec Bichot. Les amis, aujourd'hui, j'ai fait un petit TP largage aérien pour commencer cet épisode à cette planque Garasha que nous allons un petit peu visiter. Aujourd'hui, épisode... Alors, chill, je ne sais pas, mais aujourd'hui, épisode où on se balade. Le but du jeu, écoutez, ça va être d'aller au plus proche de la rencontre avec les légendes. Qui fait donc partie de la dernière partie du jeu. Donc on va aller par là-bas. Bien sûr, je peux me TP ici ou ici pour aller plus vite. Ou là même. Mais c'est pas le but. Là, j'ai vraiment envie qu'on explore un petit peu la map. Qu'on, voilà, le site anti-aérien. D'ailleurs, on va se le faire. Voilà, sur le chemin, je pense qu'il y aura des avant-postes, etc. On va essayer de se faire ça aujourd'hui à la chill, à la cool. Y a de la chasse ici, on s'en fiche un peu. Donc voilà, on va un petit peu explorer aujourd'hui, les amis, la map. Voilà, un petit peu un épisode, je dirais, détente. Mais vous savez très bien que les épisodes détente ne sont jamais vraiment détente. Surtout en ce moment. Donc voilà. On récupère les pièces. Ah attendez, les opérations des banditos. Et entre nous, on s'en fout. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûr que je vous ai fait chier avec ça. Et en vrai, ça rapporte des trucs qui ne servent à rien du tout. Mais vraiment, on n'en a pas besoin du tout. Donc clairement, on va arrêter ça. C'est même pas fun en fait. Alors si, on s'est amusé au début quand on a testé, mais c'est même pas fun. Camarade, dis-moi ce que tu sais. Danny, j'ai une autre cible pour toi. Un site anti-aérien. Je te le marque sur ta carte. Merci beaucoup. Oh là là, tu régales toi, tu régales, parce que c'est exactement... Ouh là 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 là, on va se faire les deux. On va se faire les deux aujourd'hui. On va commencer par celui-là, je pense. Ouh là là, ça m'a l'air... Pekena, oh là là. Ça, c'est très bien protégé parce que ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai fait en off. Oh, il y a un site anti-aérien là aussi. Ok, très bien. Ça me fait penser à... Je sais plus où il est. Ça doit être celui-là. Porcuero. Non, je sais plus. Bref. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, pour ma part. Ça fait deux jours. Ça fait deux jours, donc ça fait longtemps. non, mais c'est vrai. J'ai tellement l'habitude de jouer à fond sur ce jeu que je me perds si je n'y joue plus. Bon, bah écoutez, on va aller... Non, mais la flemme, en vrai. On va pas faire celui-là. Nous, on va aller direction la légende 67. Donc, on va aller dans cette direction et puis c'est tout. Sachant que même avec ce site anti-aérien, j'ai pu me dropper en... Voilà, donc autant aller vers là-bas. Allez, on va aller dans cette direction. Il y a un truc pour honorer l'idole là-bas, donc on va s'en occuper. Moi, je suis persuadé qu'on les aura presque tous faits, hein, ces machins-là. Merci pour votre bénédiction. Voilà. Très bien, allez. Rejoignons la route. Mon indice de recherche, il est inexistant. Il y a eu un accident là. Ça c'est con. Oula. J'ai un ingénieur en visuel. Là ils vont où là? Ils vont où? Oh, il y a une cache des FND. Ok, il y a plein de belles choses par ici. Oh, oh, on va avoir une mission les gars. Usine chimique de la Roya. Oh, on va faire la mission. On va capturer la base des FND. Ça fait plaisir. Mais d'abord, j'ai envie de me faire kiffer. Va falloir faire gaffe. Carte d'accès à la sous-station. Ah, je suis trop un monstre. Merci frérot. Merci frérot. Y'a rien d'autre, très bien. Ah, c'était cool. Ah, c'était vraiment un bel enchaînement. Ça m'a vraiment bien plu. Je vais pas vous mentir. Bon allez, on avance. On avance. J'ai envie d'aller voir cette base là quand même là. J'ai envie d'aller voir parce que y a une alarme et tout, donc à mon avis on peut la capturer. Bon là, à mon avis, ça doit être dégueulasse. Oh, j'aurais jamais dû aller là. Je vais crever. Je vais mourir intoxiqué. Je suis complètement con.
Oh là, la vache. Oh, encore une vache. Non, c'est un cheval. Oh non. Oh, c'est pas cool. Allez, voyons voir. Qu'avons-nous là? Je suis sûr, on peut la capturer, non? Ah, j'ai pas de mission qui me dit de la capturer, donc je pense qu'il faut rien faire. Ah, c'est dommage. J'ai pas envie de faire un truc pour rien, vous voyez. Donc je préfère largement qu'on me dise ouais, il faut le faire, plutôt que le faire s'il faut pas le faire. Tu m'as compris? Donc on va les laisser tranquilles. Wouah, eh mais on est en Amazonie maintenant ou quoi? Ah ouais. T'es mal à la déforestation, mon pote. Là, on se croirait vraiment en Amazonie. Bon, allez. Direction toujours le site anti-aérien, toujours dans la même direction. C'est d'une tristesse ce paysage. Waouh. C'est-à-dire que le jeu est magnifique. Disons, la map est super belle, tropicale. Et puis voilà. On a quelques phases de réalité aussi comme ça qui te rappellent que bon, bah, c'est pas tout beau, tout propre. Hein. Mackay. Très bien. Continuons par là. Bah, remarque, le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, c'est plutôt pratique. Ça va les frérots? C'est plutôt pratique. Bon, allez. Oh là 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 là. La carrière, mon pote. Je parle pas de ma carrière YouTube. Hein. Allez, ça c'est fait. C'est tout bon pour moi. Ah, punaise. Vous savez ce qui me fait kiffer? C'est que ces montagnes là-bas, on les connaît. Hein. Attendez, laissez-moi vérifier juste. Tac. Eh ouais, c'est les montagnes qu'on connaît. Incroyable! C'est incroyable. Allez, on est bientôt arrivé. On va récupérer aussi l'uranium appauvri, hein, parce que je rappelle que Juan, il veut nous offrir des armes qui ne me serviront jamais. Oh, on se prend pour une vraie guérilla. Frérot, t'es au courant de tout ce que j'ai fait, salope là? Non, pardon, excuse-moi. J'aime pas quand on parle comme ça, vous savez que je suis très susceptible. Mais oui, c'est vrai qu'on fait des missions pour Juan, qui nous donne des armes, mais qui ne servent à rien. Ces armes ne servent à rien, on s'en sert pas. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur, madame. Ah! Au secours! Aide-moi! Oh, elle s'est bouffée. Elle s'est bouffée le cul. Je sais pas quoi faire, voilà. Oh punaise. Bah remarque au moins. Eh hey, vous savez ce qui est cool? C'est qu'ils ont éliminé la meuf. Voilà. C'est bien, ça te choque pas, tu lui marches dessus. Il en a rien à péter. J'adore. Ok. Bon, faisons un tour. Alors, qu'avons-nous là? Très bien. C'est tout? Y'a personne. Ah là. Me voilà rassuré. La 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 la. Nanana. La la la. Quelle chouette musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Allez, l'uranium. Il est pour Bibi. Les médocs. Voilà. Voilà. Ernesto ne va pas tarder à venir demander aux mécanos s'ils auraient des idées pour réparer certaines écluses du barrage. On va mettre une caisse à outils de côté. Des fois qu'il aurait besoin d'emprunter quelque chose. Peut-être qu'il nous proposera un petit truc sympa si on lui file un coup de main. Très bonne idée. Bon allez. Ah bah oui, faut péter le machin, je suis con. À la base, on est là pour ça. Voilà. Ça, c'est fait. Attendez, là, on va être dans la merde. On va être dans la merde un peu, non? Ah bah oui, la voiture s'est arrêtée. Et le cheval revient. Ah, j'ai bien l'air con, là. Ah, il repart. Excuse-moi, cheval, j'espère que ça va. Je suis dans la merde. Attendez, attendez. On va sortir mon arme fétiche. La petite MP7. Ah,
Ah, c'est bon, ils partent. Voilà. Ingénieurs repérés. Ouais, ils sont pas vraiment ingénieux en tout cas. Allez, on continue toujours dans notre direction. Ouh, là, il y a une chasse au trésor aussi. On va pas très sincèrement faire cette chasse au trésor. Par contre, j'aimerais bien qu'on suive la route là et qu'on trouve un avant-poste sur le chemin. Bah, tu sais quoi, je vais mettre ça. Et ça va nous faire suivre le chemin tout simplement. Voilà. Direction la légende 67. Est-ce que aujourd'hui on va aller découvrir la légende 67? Je ne sais pas. En tout cas, on va dans la direction. C'est parti! Quel bonheur! Et on va pouvoir demander une voiture aussi. Et ça, c'est cool. Quel bonheur! Allez, on va demander ma petite voiture. Je sais plus si je l'ai customisée. La couleur est dégueulasse, ça c'est clair. Hey, yo, 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 yeah. Allez, vas-y. T'as commandé ça? Bien sûr. Ouais. Bah, c'est normal, c'est ma voiture. Merci, frérot. Allez, c'est parti, mon kiki. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur un des épisodes. Celui où on était en hélicoptère et qu'on avait défoncé tout le monde. Parce qu'il y avait de la musique que je pouvais pas enlever. Il y a un poste de contrôle là-bas. Je l'ai vu. Vous l'avez vu. Donc on va y aller. Mais par contre, ça c'est pour moi. Les guérilleros sont des fous. Mais t'as un problème avec les guérillos? Putain, mais on dirait... Salut, le bruit court que la Benitez est furieuse depuis notre dernier rapport. Elle estime qu'on devrait intercepter plus de contrebande. Secouez-vous, sinon ils vous enverront pourrir dans les steppes d'Isabelle. Vous ne voulez tout de même pas finir comme Poupeau? Non, bien sûr. Serez-vous de la liste de surveillance de cette tarée si vous êtes à court d'idées? Non, servez-vous. Très bien. Regardez, moi je me sers d'autre chose. Voilà, tout ce qui est ici, c'est pour moi. Voilà, redis-moi sur les guérillos, je te tabasse ta mère, toi. Pardon, excuse-moi. Je suis un petit peu énervé, c'est mon petit côté guerrillos, tu auras compris. Viva Clara Garcia! Ah, quand même! Il vient de se contredire. C'est là qu'on voit que quand même l'intelligence artificielle est quand même un peu random. Hein. Il a quand même tenu deux discours différents en une minute. Vallée de Ojo. Très bien. C'est très joli. Oh là là, c'est beau! Une alarme. Où ça? Ah là, je suis aveugle. Sniper. Film de détente. C'est tout? C'est quoi cet avant-poste de l'opette, hein? Oh non! Fais pas le con, Michel. Poste de contrôle. Faut faire gaffe. Essayez d'appeler des renforts. Trouvons ce que c'était. Ah, j'ai raté quelqu'un. Bon, au moins, il n'y a pas d'alarme. Oh, j'aurais pu être un peu plus discret. Je l'avoue. Ah, il était là, le sergent. Qu'est-ce que je suis con. C'est pas bien grave. Bon, bah, ça c'est fait. Hop, ça dégage. C'est Bibi qui régale. Ah, la musique. Qui permet de savoir à peu près dans quel quartier t'es, c'est cool. Enfin, quartier. Dans quelle zone. Et là, on est à la vallée de Ojo. On reconnaît. Très bien, la petite cache des FND, elle est ici. Niveau supérieur, niveau 11. Et ça, c'est cool. On récupère plein de belles choses. Et ça fait plaisir. Ouh, toi, tu vas me dire un truc super intéressant. Mais pas une embuscade, s'il te plaît. Par ici, camarade. Camarade, il y a un convoi qui passe près de la vallée de Los Sabios. Sans branle. Il transporte des ressources importantes et il nous les faut. Merci. On s'en fout. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Et il y a encore ça à récupérer. Putain, j'ai raté des trucs. Voilà. Ouais, on s'en fout en tout cas de ton truc là. Moi, si encore tu m'avais dit une base des FND à capturer, tu vois, ça aurait été plutôt cool quoi. Donc on est là. On est là, juste à côté de la rizière. Mais où c'est qu'on est, là? Je connais même pas cet endroit. Ok, bref, nous, on va continuer. Bah, en fait, on va arriver à la légende des 67, hein. Mais vraiment, la map... Alors, oui.
On a juste tracé un chemin là, tu vois. On n'a pas fouillé de fond en comble encore. Mais la map est quand même pas si grande que ça en réalité. Alors oui, c'est juste incroyable et je suis très content. Mais la map est pas aussi grande. Hello. Que ce qu'elle en a l'air. Et tant mieux. Si vous voulez mon avis, tant mieux. Mais voilà, c'est bon à savoir. Allez, on continue. Ici c'est chez nous maintenant. Ça rigole plus. Dalidalida. Le petit dérapage. Hop là, magnifique hein. Magnifiquement contrôlé hein. What? Très bien, j'ai perdu le contrôle hein. C'est tout à fait normal. Oula, ça part en couille hein. Oh. Il s'est fait écraser par son frérot. Tiens, je te libère. Sans avoir recours à la violence. Hey, j'ai même pas fait recours à la violence. Bon, je vais les aider, non. Voilà, bah écoutez. La libertad est quand même efficace. Énorme, insane, épique. Allez, on se casse, ça va repartir en couille. C'est pas moi. C'est pas moi. Allez, salut. Elle a un petit poste de contrôle, ce serait sympa. Ce serait sympa. Mon pneu est éclaté depuis tout à l'heure. Je me disais bien que je roulais bizarrement. C'est incroyable. Attendez, parce qu'il y a une cache là. Une cache que je n'ai pas le droit, évidemment, de récupérer. J'en ai rien à foutre. À nos honorables et loyaux soldats, voici mon rapport du matin numéro 47. Je sais que vous ne pouvez pas répondre officiellement, mais je sais aussi que mes interventions sont utiles. N'oubliez pas le nom de votre ami Del Risco, c'est moi. Vous pouvez toujours compter sur moi. Très bien. N'hésitez pas, évidemment, okay, reste sur tes gardes, Danny. À mettre pause si ça vous intéresse, ce genre de choses. Très bien, bah écoutez, voilà, j'ai récupéré de la poudre à canon. Qui, potentiellement, ne me servira pas. Hop là. Vous savez comment on remet un pneu? Voilà, il suffisait juste de prendre un chalumeau et... Oh, les droits d'auteur à cause du tracteur. Merci monsieur. Oh, j'ai envie de prendre les petits chemins à gauche, mais en même temps j'ai envie de découvrir des avant-postes. Puis on découvre quand même pas mal de choses là, c'est sympa. Salut. Oh, mais c'est qu'elle est mignonne. Salut ma soeur. Tu me laisses passer? Merci. Voilà. Sympa. Sympa, sympa. T'as des petits pois carottes pour moi, non? Très bien. Ok. On a encore de la marge hein, avant d'arriver. Je pense qu'on va quand même tomber sur un avant-poste. Quelque chose à savoir sur Barriga? Ah ouais, les habitants sont sympas. Du moins, ils l'étaient la dernière fois que j'y suis allé. C'était quand? En 96. Je vis à LST, mais je passe pas mon temps à m'y promener non plus. Il y a un poste de contrôle là, les gars. Il y a un poste de contrôle, je suis une machine. J'ai l'œil, hein, j'ai le flair. Hein. El Tigre, j'ai atteint un poste de contrôle entre LST et Valle de Oro. Va au sud, Danny. Tu te rapproches. Quelque chose à signaler sur ce poste de contrôle? Il est comme tous les autres. Si t'as envie de buter quelques soldats, j'imagine que c'est le bon endroit. Neutralisons l'alarme. Bon, donc là, vous avez compris au vu des dialogues que quand on a commencé l'aventure, on aurait pu commencer de n'importe quel côté possible. Tu vois, que ce soit ici, nous on a commencé là-haut, on aurait pu commencer là. Parce que vous voyez, c'est quand même guidé de la même façon. Genre là, il t'apprend à prendre un avant-poste. Alors qu'on sait déjà, tu vois, maintenant. C'est fou, non? On nous prend pour des cons, quoi. Ok, on peut pas détruire l'alarme. Oh non.
Putain, mais c'est pas possible de bordel de cul à la con. Je veux pas que mon silencieux casse, hein. Voilà, je suis cramé. À cause de cette merde. Je suis cramé à cause de cette merde qui sert à rien. C'est un animal qui sert à rien. Ils vont appeler des renforts, frérot. Oh, c'est bien, il y a les collègues. C'est bien, vive la Libertad. Allez, on y va, on y va, on y va, cassez l'alarme. C'est bon. Voilà. Le panneau était déjà cassé. Le panneau était déjà cassé. Ah oui, cette nouvelle musique dans cette zone. Ça c'est fait. Clara Garcia, viva la revolution. Bien joué les frérots, merci de m'avoir aidé. Parce que cette fois j'avais besoin d'aide. Cherche les légendes, Libertad. Pas dans les montagnes. On va aller dans les montagnes, t'inquiète pas mon frère. T'inquiète pas. Lire. Officier du poste de contrôle de Sierra Perdida West. Je vous rappelle que votre contribution est essentielle. Ce poste de contrôle sépare deux régions, ce qui en fait un point névralgique de la contrebande et du marché noir. Pas question que des citoyens en quête de devises étrangères, et encore moins des soldats, continuent à insulter l'économie yarane de la sorte. Des inspections régulières commenceront bientôt. Eh ben mon cul, c'est fini ça. C'était à l'époque. Maintenant, c'est chez nous. Ferme-la. Ferme-la tendrement. Ici. Hop. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Et on va continuer. Ah, t'as des infos? Il y a quelqu'un qui a dit j'ai des infos. Qu'est-ce que tu sais? Salut, Danny. Si t'aimes boire un cappuccino tout en tuant des soldats, ça devrait te plaire. Les militaires contrôlent une usine de café pas loin. Tous les fermiers de la région doivent apporter leur récolte ici pour qu'elle soit comptée. Mais les soldats en gardent toujours pour eux. Merci, c'est sympa. Ah, usine de café. Donc ça nous fait une nouvelle base à capturer juste sur le chemin en plus, juste avant la rencontre avec les légendes. Mais c'est incroyable. Eh ben, chaque chose en son temps. On va s'occuper en effet de ça. Pour cet épisode, ce sera plutôt pas mal. Allez, c'est parti les amis, à 300 mètres, l'usine à café. La base des FND à capturer. Toi tu vas prendre cher mon frère. Je te le dis direct. C'est vraiment une catastrophe par contre les animaux qui t'attaquent. Ça me plaît beaucoup hein. Mais c'est une catastrophe. Vraiment. C'est Alors oui j'y vais à pied parce que c'est juste à côté. Ça sert à rien d'y aller en voiture ou quoi. Et en plus de ça regardez. Aïe. Ici, il y a quelque chose qui m'intéresse. Allez. Voilà. Des bottes. Ah, de protection chimique. Ça m'aurait été utile au début. Qu'avons-nous là? Clara, devine qui va te ramener le meilleur café de Touyara. Y'a pas de quoi rire, Danny. C'est là que l'armée force les paysans à céder leurs récoltes sous peine de finir dans des camps. Castillo s'enrichit en affamant la population. Si tu veux y mettre un terme, prends le pétrole qui alimente l'usine. Et tant que t'y es, prends cette putain d'usine aussi. Merde, une caméra. Eh, elle est pas drôle. Il y a deux alarmes minimum. Elle est pas drôle, Clara. La rabat-joie, eh. Ça sert à quoi ce que je viens de faire? Je sais pas ce que je viens de faire. Mais je l'ai fait. Elle est pas très drôle, Clara. Libertad aurait besoin de l'essence que contient ses cuves. Oui, on verra ça. Là, la priorité. Adieu les renforts. Encore une alarme. C'est parfait. C'est parfait.
puisque la dernière alarme se situe... Ah putain, fait chier. Oh, ils ont cramé. Ils ont cramé que il y avait un système cassé. Attendez, on va vite casser l'autre. Voilà. Là, ils sont bien dans la merde, les cocos. Par contre, la tyrolienne, c'est trop stylé, là. J'aimerais venir en tyrolienne. Je veux venir en tyrolienne. Ah, putain. Ah, voilà. Comme ça, je pourrais venir en tyrolienne, c'est fun. Ok. Allez, c'est parti. Là, ils sont un petit peu en alerte. Et ils peuvent pas faire grand chose. Quel bonheur. Ah putain. Le shoot. Pas terrible. Mais pourquoi tu cours par là, complètement con. Bon allez, on va y aller en tyrolienne hein. Merde. Pourquoi j'ai rechargé? Voilà. Bah il reste plus que une personne buggée manifestement. Allez à l'assaut. C'est parti. Il nous faut des renforts. Oh le bug. Yalla. Excellent. Excellent. Usine de café, bien sûr, aucune alarme déclenchée, donc les ressources sont sécurisées. Ah là 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 là. Quelle éclate. Oh, on a un héliport là, je pense. C'est pas un hélicoptère là? Pas du tout. Ah, voyez les véhicules que j'ai récupérés. Putain, c'est trop bien. Ok, et eh ben ça c'est fait, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez les amis, on va faire durer cet épisode. J'ai envie de vous régaler. On a quand même bien avancé sur le jeu. Donc on va aller voir la légende de 67 aujourd'hui. D'accord. Voilà, on va faire ça. Du coup, hop. On a récupéré ce dont on avait besoin. Là, j'ai mon frérot qui va me dire quelque chose d'incroyable. Je le sens. J'ai une nouvelle info pour toi. Comment ça va? Danny, on prépare une embuscade. Oh non, 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 et non. Pour tout te dire, on serait bien plus confiant si t'étais à nos côtés. Oui, merci mille fois. T'inquiète, y a pas besoin d'embuscade. Dans quelques temps, tout sera fini. Y aura plus de dictateur, y aura plus rien, y aura besoin de rien. T'inquiète, frérot. T'inquiète pas, mon frérot. Allez, direction. Rencontre avec les légendes. Retrouver El Tigré au camp des légendes. Qui ressemble à ça. Très bien. C'est bon à savoir. Voyons voir là. Qu'est-ce qu'on a là? Un agent corrompu? Non, pas du tout. Mais pourquoi ils sont à l'abandon à chaque fois? Là, les gardes ils se barrent. Ils sont trop cons. Merci. De rien. C'est vraiment que j'allais y passer. T'inquiète. T'inquiète pas mon frérot. Allez c'est parti. Quelques mètres, on y va à pied encore une fois. Ça nous permet aussi d'explorer la jungle de ce côté là. Parce qu'à la base cet épisode, je voulais que ce soit une exploration. Elle vient d'où la musique? Elle vient d'où la musique là? What? Attendez, moi je veux monter là. Merci les droits d'auteur. Mais c'est où? Eh frérot, la musique est tellement forte. Attendez, c'est là-haut. Tu vois, on a bien fait de pas prendre de véhicule. On va découvrir un truc incroyable là, je le sens. Aïe! Oh non,
Mais... Je me suis pris un putain de piège. Casa Molina. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle est où la radio? Elle est où la radio? Ah oui, d'accord. C'est carrément les émetteurs, quoi. D'accord. C'est insupportable. Pourquoi je suis venu là? Je ne sais pas. Je suis allé à ce village, tu sais, celui avec les vieux schnock. J'adore faire des livraisons là-bas, écouter leur histoire de la vieille révolution. La dernière fois que j'y suis allé, le village était vide. Ils s'étaient tous barrés. Je crois qu'ils ont laissé des trucs, probablement exprès, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je vais y retourner demain après ma dernière livraison pour essayer Santiago. Merde. Très bien. Les forces spéciales. Très bien. Mais attendez, on va se les fumer juste pour le fun. Ah ouais, non, il y a plein d'ennemis là en fait. Comment c'était ta mission? Oh là là, mais hé. Qu'est-ce qui leur arrive? Je vois pas ce qui était pas clair. Oh, ils sont attaqués par un animal. Bah c'était un beau feu d'artifice, hein. Pourquoi ils ont envoyé un feu d'artifice? Regardez bien. Trop drôle. J'ai envie de m'amuser un peu, là. Ah! Oh non. Imagine je meurs. Imagine je meurs. Voilà. Oh merde, hélicoptère. Oh merde, hélicoptère. Oh, je suis dans la merde. Je suis pas là! Non! Ok, c'est bon. C'était pas moi! C'était pas moi, je vous jure! Oh putain, j'ai eu trop peur! J'ai eu tellement peur! Oh, je me suis chié dessus, les gars! Ah, j'ai voulu faire le beau! Eh ben, je comprends mieux pourquoi ils ont envoyé les fusées de détresse! Oh mon dieu! Puis alors là, j'ai attiré toutes les forces sur moi là! Oh putain. Parle de moi là, non? Fous-moi la paix. Putain, comme il est venu vers moi lui. Il est venu vers moi d'un coup, frérot, hein. Là, là. Ça va, ma sœur? Mais je suis en train de sauver une femme! Voilà. Elle va bien? Cible repérée! Tuez les prisonniers! Tu vas rien faire du tout. Maintenant, c'est moi qui décide. J'en ai marre qu'on me prenne pour un con. De rien. Allez! Un camion, merde! Eh bah, j'ai fait une double bonne action. Oh, il y a encore une base DFND ici! Visiblement pas de mission non plus à faire. Mais si jamais, c'est bon à savoir. Eh ben, c'était assez cocasse comme situation quand même, là, les amis. Putain, je me suis vraiment fait peur. Je me suis vraiment fait peur. Allez, direction la montagne, les amis. Nous sommes arrivés. Un rocher en forme de crabe marque le début du sentier. C'est parti. Hé, hey, El Tigre, je suis au rocher. C'est... étonnant. C'est une œuvre de Lorenzo. Le crabe, c'est le symbole des guerrilleros. Pour la carapace? Ou les pinces? Ils se battent dans la jungle pour aller pondre dans la mer. Nous, on s'est battus depuis l'océan pour donner vie à la révolution. Ok.
Je vois. Suis le sentier qui monte vers le sommet, c'est facile. Tout guerriero doit être aussi agile qu'une chèvre. Qu'une chèvre? Je croyais qu'on était des crabes. Allô? Mais merde. Excellent. Oh pardon. Hola. Salut camarade. Et le mur de 67. J'en ai eu des frissons. Ma grand-mère m'a dit qu'après la cascade, une piste menait tout droit au camp secret des légendes. C'est quoi ton problème? Mais putain, mais t'as... Mais parlez, faites comme si j'étais pas là. Oh, j'allais dire, c'est mignon par ici. C'est mignon par ici, mais les gens ont l'air un petit peu tendus. Tendus du cul. Allez, on monte. J'aime beaucoup, là. J'aime beaucoup, ça me plaît. Et moi, quand ça me plaît... Ouh, lolo. Je dirais la cascade de la photo d'El Tigré. Je dois aller là-haut. Magnifique. Je pensais pas que tu pleuvrais. El Tigré, je suis devant la cascade de la photo. On l'a prise après une dure bataille. Nos 3 jours de planque ont payé quand un bataillon de parachutistes s'est posé juste devant nous. Stratégie et patience sont les meilleurs amis de la guérilla. Et quelques grenades aussi, non? La cascade était rouge ce jour-là. À cause du sang, tu vois. Celui des soldats morts. Il y en avait plein. Ouais, j'avais compris. Je suis vraiment désolé. Le but, je vais pas tout casser, mais je ne le supporte pas pour le moment. Ces chèvres. Putain de frimeuse. C'est-à-dire que... Juan, il est incroyable. Mais El Tigré, pour le moment, il me fait un petit peu chier. Je trouve pas charismatique. Mais on va voir en vrai. On va voir en vrai. Il faut que j'aille là, moi. Allez, on se balance. On se balance. Hop. Là. Bon, c'est très sympa pour le moment, ce petit côté parcours, là. J'aime beaucoup. Tyrolienne. Bébé tigre, après la guerre, ce chemin est devenu un sentier de randonnée pour les touristes. Ils visitaient notre camp, jetaient leur merde partout et nous prenaient en photo comme dans un putain de zoo. Du coup, on a peut-être accidentellement utilisé des bâtons de dynamite et bloqué le sentier. Je vais donc peut-être devoir le débloquer accidentellement. Tout à fait. Ah, j'adore. Ah, d'accord. Accidentellement, genre comme ça. Allez. Ah ouais. Ah, ça rigolait pas, ouais. Ça rigolait pas, d'accord. Eh bah, si j'avais pas écouté le dialogue, je serais resté bloqué. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai un peu peur. Hein. Hop. Faut que j'aille où là? Oh là là. Faut que j'aille là. Hop. Hop. Très bien. Je sais pas comment ça fait pour tenir, mais ça tire. Hein. Oh là là. Tyrolienne. À la one again. Allez. C'est la planque parfaite ici. C'est clair. L'armée verrait rien. Aussi avec leur hélicoptère. L'air est à la fois frais et étouffant. C'est dingue. Débloquer le passage en tirant sur les filets ou en les faisant exploser. Ah, on peut aussi tirer dessus. Ah oui. Attention en bas. Ah ouais, j'avoue, en bas. Oh, c'est bien fait. Aïe. Oh, c'est magnifique. Ça c'est pas magnifique. Allez. Oh là là, oh là là. Oh. Mais c'est de toute beauté. Non, vraiment les gars, venez, on admire. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là. OK. OK, je suis à l'endroit suivant.
Une métaphore sur la guérilla et les requins, c'est ça? On est aussi dangereux qu'eux? Non, non. C'est juste le rocher qui ressemblait à un requin. Qui c'est qu'on voit se balancer sur la photo? C'est Lucky Mama. Comme on savait pas quand les soldats trouveraient le camp, il fallait s'assurer de pouvoir monter et descendre rapidement. Lucky se portait toujours volontaire pour tester les grappins. C'est courageux. Il paraît que tu l'es aussi. Clara m'a parlé de toi. Tu sais, Danny, moi aussi j'ai grandi sans papa ni maman. T'es quand même devenue une légende. La plupart des guerriers aux orphelins bébés tigres. Ce sont nos actions qui nous définissent, pas nos parents. Ils devraient faire psy. Oh là là, j'ai enfin pu me venger sur un aigle royal. Un faux con. Un vrai con. Hey Tigré, je suis à la statue. Ah, Laurent. Un révolutionnaire. Un guerrier. Et un ami cher. Mort au combat quand on a pris Esperanza en 67. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Je comprends mieux la gueule de bois. Chaque année, je descends 2 bouteilles de rhum. Une pour moi et une pour Lobo. Il n'aura jamais vu Yara libre. Moi non plus, d'ailleurs. C'est la dernière photo. Felicidades! Te voilà maintenant au sommet! Allez, descends de là! Tu rates toute la fête, bébé tigre! Ça marche. Toujours le premier à se rebeller contre les injustices. Lobo n'a pas vu l'issue de la révolution, il est mort avant l'assaut final sur Esperanza. Ce monument a été érigé ou irrigué, je ne sais pas comment on dit, en son honneur par les légendes de 67. Tu peux reposer en paix, camarade, nous avons triomphé. Et l'histoire se répète aujourd'hui, on va refaire un assaut sur Esperanza. Et vous voyez, ah punaise, on a dit que Far Cry 6 on parlait pas politique. Allez, je ferme ma gueule, c'est bon, je n'ai rien dit les gars. Je ne parlerai pas politique, mais j'ai tellement envie. J'ai tellement envie. Ah, mais on fera une conclusion un jour. Hop, je récupère un petit peu tout. Évidemment, paix à son âme. Allez, c'est parti. Mon patriotas. Ouh. Eh bien, on est arrivé au camp. On est arrivé au camp. Allez, on va chercher El Tigré. El Tigré. Qui est où, El Tigré? Ah. Hey Tigré! Hola, Danny! Mais enfin! T'es cloué sur place! La mort te regarde droit dans les yeux! Tu fais quoi? On m'a cogné dans les cojones des milliers de fois! Je les sens même plus depuis 72! Refais jamais ça! Quoi? Mais casse sous casse, bébé tigre, allez! Viens voir, je te présente la famille. Lucky, j'ai encore le nez pété. Je suis pas ta putain de mère. Il y a des gens ici qui sont vraiment blessés. Ça me fait très mal. Toutou, maman! L'herpès, ça compte pas. Voilà Lorenzo Canseco, le poète des légendes. Tiens, je décèle le sang chaud d'une guerrière. Et on ne présente plus Lucky Mama, le cœur des légendes. Ce n'est pas cassé, ça. Ah ouais? Mais je l'ai entendu... Une autre patiente? Peut-être quelqu'un de la morale? Je suis Dani Loras de Libertad. Le nouveau point de la révolution. Non, c'est Clara qui m'envoie. Libertad a besoin des légendes, deux héros en qui croire. Pour combattre un nouveau Castillo, il est pourtant tout ce que Yara mérite. Bonne chance. Désolé. Une révolution, c'est assez. Alors Clara avait tout faux. Crois en toi, Danny. Ils doivent d'abord apprendre à te connaître. Reviens me voir quand tu seras installé, mon bébé tigre. Ultra gênant, ultra gênant. Ne parlons pas politique aussi, d'ailleurs. Une révolution, ça suffit. C'est vrai. Ok, eh bien voilà, c'est assez cool. On peut parler à El Tigré pour la prochaine mission. On a évidemment le camp comme un petit peu chez les Maximas et chez les Montero qu'on peut évoluer. Clara, j'ai rencontré les légendes. El Tigré est le seul à partager les idéaux de Libertad. J'ai une mission pour toi, bébé tigre. Fais ce qu'il faut pour qu'il rejoigne le combat. Le peuple a besoin de héros qui croient.
J'espère seulement qu'ils ont toujours une âme de héros. Moi, moi. Venez, on va déjà... on va s'en arrêter là. Hein. Je pense que... J'espère que vous avez kiffé, mais... J'aimerais juste... Monter là-haut. C'est où? Ah non, du coup, c'est en bas. Je me suis trompé. C'est en bas. On va juste faire un petit plaisir en cette fin de vidéo, comme ça. Parce qu'en plus, on a de la thune et tout, donc... Autant se faire kiffer. On explore un peu le camp. Tu veux entendre une blague? Non, non. C'est glamour, non? Voilà, j'ai envie de... d'installer les dernières choses. Donc, caserne des bandidos. On va se croirer dans un 5 étoiles. Très bien, et encore merde, installé. Fini, que je t'inviterai à mon one man show, je te filerai un sac à vomi. On s'en fout de tes vannes. Nul. Ouais. Nul sur 20. Et enfin, le dernier truc à faire, c'est le pavillon de chasse. Et on aura je tout fait. Je préférerais pas mourir au... Tous les camps sont à nous d'ailleurs maintenant. Ça y est, c'est officiel. Quel bonheur. Bon, voilà. C'est des choses qu'on ne se servira jamais, hein, mais ça a le mérite d'être là. Et c'est plutôt sympa, voilà. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, petite question, est-ce que les combats de coq ont été enlevés ou pas là depuis la polémique qu'il y a eu là chez les ah là ici là chez les Montero. Est-ce qu'il y a... J'ai l'impression qu'il n'y a plus les combats de coq. Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais moi, je veux à la fin de la série qu'on se fasse un combat de coq hein, quand même. Hein. Faudra qu'on s'en fasse un si on peut. Hein. Et bien voilà les amis, c'est là-dessus que cet épisode se termine. J'espère que vous l'avez kiffé. Voilà, j'ai essayé de vous faire kiffer un max en faisant cette durée d'épisode. Moi j'ai kiffé de ouf. On avance bien dans l'aventure. Je n'ose pas regarder mon pourcentage de progression. Et dans le prochain épisode, on va parler à El Tigre et commencer un petit peu les missions pour lui. Sans oublier évidemment les anciens frérots qui ont des missions pour nous également. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo sur ce magnifique paysage, pas du tout. Ciao tout le monde !